Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, mon mari m'a sorti, j'ai été me dépoussiérer. Et devinez où j'ai été? Chez Action. Ça faisait très longtemps. On a été à Grand Frais pour faire un petit peu d'achat. Et du coup, on a été chez Action. Alors, Grand Frais, on est ressorti avec deux sacs. On en a eu pour 120 €. Il n'y avait pas de viande. Mais après, on n'est pas étonné parce que nous, au resto, tout augmente. Les serviettes papier, elles ont doublé. Les sets de table qu'on met sur les tables, ça a doublé. Le chocolat, nous, on travaille avec Valrhona. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ils ont pris 300% d'augmentation au niveau de l'EDF et 125% d'augmentation au niveau du gaz. Donc, c'est normal, en fait, que tout augmente. J'entends des gens qui se plaignent parce qu'en fait, ça coûte plus qu'avant, parce que ça coûte plus qu'avant, parce que, ben ouais, mais en fait, c'est tout, tout qui augmente. Et en fait, on est obligé de faire avec, on n'a pas le choix. On fait quoi? On mange plus, on se fait plus de divertissement, on sort plus, on n'allume plus l'électricité, on remet les bougies, on fait quoi? Voilà, au bout d'un moment, ben voilà, il faut se mettre devant le fait accompli, c'est pas quand on va se mettre martel en tête, hein. Voilà, moi je suis comme ça, je suis aussi positive, et ben tant pis, on adapte notre vie autrement, mais quand on regarde autour de nous et dans les autres pays, tout ce qui se passe, ben, on se dit en fait que quand même on est heureux. Après, il y en a plein qui vont dire, ouais, mais dans les autres pays, c'est pas nous, c'est pas ceci. Ben ouais, c'est comme quand on est malade, et quand on vous dit, ben oui, estime-toi heureuse parce qu'il y en a qui ont ça. Ben oui, mais bon, c'est pas eux qui ont ça en fait. Estime-toi heureuse. Oui, je suis contente d'être en France, de pouvoir me faire soigner. Voilà. Donc là, on a à manger, on a tout ce qu'il faut. Et voilà. Et faut aussi accepter que bah, ça va durer un temps et que en fait, eh ben, on n'a pas le choix et on est obligé de faire avec. Et ouais, les retraites, machin, tout ça. De toute façon, c'est pas nous qui décidons. On a beau dire, on a beau tergiverser, on a beau dire dans tous les sens, c'est pas nous qui décidons. En fait, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Moi, je peux dire quelque chose parce que je le dis, je m'en fous et je m'en tape littéralement. Ben, fallait pas, voilà. Enfin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que j'entends dans les halls que tout le monde dit que ça augmente, que ça augmente, que ça augmente, que c'est pas normal ici. Bah si, c'est normal. C'est normal. Les gens, ils vont pas travailler à perte. Et ouais, voilà. Comme nous, tout a augmenté. Bah au bout d'un moment, on est obligé de reprendre nos tarifs. Bah ouais, on n'a pas le choix. Voilà. C'est comme ça. Bon, allez, on passe à autre chose parce que oui, les prix ils ont augmenté. Donc du coup, je me suis sortie, je me suis dépoussiérée. C'est bon, toute la toile d'araignée, elles sont retirées puisque j'étais enfermée depuis un certain temps. Donc du coup, j'ai été chez Action et j'ai trouvé plein de petites choses nouvelles, sympas. Alors, il y a du scrap et pas du pas scrap. Alors, je vous explique, j'ai pris des petites éponges comme ça, en mélaminé. Alors, ouais, c'est pas très écolo. 0,92, il y en a 5 dedans. C'est pour nettoyer mon palmier parce que mon palmier, il a chopé une maladie qui s'appelle les cochenilles. Voilà. Donc, du coup, il va falloir qu'on le masse délicatement avec un produit feuille par feuille. Ça va être la séance thérapie du palmier. Voilà. Donc, ensuite, après, j'ai pris. Alors, ça, c'est pas moi qui ai pris ça, je sais pas. Ça doit être mon mari qui a pris une microfibre. Donc, je sais pas combien elle était, j'en sais rien. 0,59. Je sais pas pourquoi il a pris ça. C'est pour faire les vitres. Pour nettoyer la lunette de bois. Donc, ça, c'est monsieur qui a pris. Ensuite, après, oh là là, ça prend plus casser la figure. Alors, on a repris aussi, j'ai pris des éponges comme ça pour mon palmier, bien sûr, parce qu'une fois après l'avoir massé énergiquement, bah, on va le masser doucement et tranquillement. Voilà, ça c'est l'après-thérapie du palmier. Voilà. Donc, cette petite éponge, elle est à 0,98. Voilà. Et elle est toute douce, toute douce, toute douce. Je pourrais même m'en servir pour me laver. Pour faire ma douche. Ensuite, j'adore ces petits trucs-là. Je m'en sers pour la maison. Moi, je fais le ménage uniquement avec ça.
Sauf les poussières sur du bois que je fais avec du produit. Et je nettoie toutes mes ustensiles de scrap, entre autres les ciseaux, avec ces petites lingettes. Donc j'en ai pris deux, ça s'appelle les Blue Wonder. Et les Blue Wonder, ils sont au prix de. Les Blue Wonder, ils sont au prix de. Ah, au secours! 1,99 € et dedans, je ne sais pas combien il y en a, ils ne le disent pas. 80 lingettes. Donc il y en a une qui va finir ici, voilà, que je garde, et une qui va de l'autre côté. Ensuite, j'ai pris celle-ci qui, soi-disant, alors je ne les ai pas encore testées, sentent le citron pour les toilettes parce que nous, on a une fosse septique, donc on ne peut pas mettre de javel, on ne peut rien mettre dedans. Voilà, donc du coup, eh bien, 0,89 et dedans, il y en a, je ne sais pas combien. I don't know, je ne sais pas. Donc, 40. Voilà, ça c'est fait. J'ai pris celles-ci aussi, qui sont très bien, moi je les connais. Alors, elles sont XXL, donc elles sont très larges. Quand on veut nettoyer tout le contour de son évier, le plan de travail et tout, les autres sont très petites et celles-ci sont beaucoup plus larges. Donc celles-ci, elles sont au prix de XXL, j'en sais rien, 0 et des brouettes, et il y en a 20 dedans. Je ne sais pas comment elles sentent, j'en sais rien. J'ai pris les petits rollers parce que ça, on n'en trouve plus du tout dans les grandes surfaces, quoique je ne vais jamais dans les grandes surfaces. Voilà, et moi quand je fais le repassage avec les poils de Vaiko, les poils de chien et tout, ça c'est hyper bien. Je passe ça sur les pulls, je passe ça partout et du coup ça s'en va. Voilà, donc j'en ai repris deux. Ah, vous voulez peut-être le prix des Roll Mops? Ben, je sais plus à combien sont les Roll Mops. Hein. J'en sais rien. Je crois qu'ils étaient à 1 € et des bananes, je me rappelle plus. Et le ticket, je sais pas où qu'il est. Le Tixon, j'en sais rien, j'en sais rien. Ensuite, après, je me suis repris. J'en ai fait tomber un derrière le placard de ma salle de bain. Et le placard de ma salle de bain, on ne peut pas le bouger. Donc, j'ai repris un petit pinceau comme ça pour maquiller les joues de bois. Voilà. Alors, ça s'ouvre comment? Ça va prendre le ciseau, ça va plus vite. Sans couper 1,19 €. Hop. Voilà, vous savez, c'est pour faire la pour faire les couleurs de sapin de Noël là, ici, là, comme ça. Voilà. Et puis j'en ai pris un plus petit. 1,04. Hop là. Tac. J'aurais plus qu'à les ranger. Alors celui-ci, ça va être pour étaler en fait ici, vous voyez. Quand j'ai des cernes et quand j'ai une tête, une trombine qui est moche, ben je vais étaler la crème pour les yeux. Voilà. Non, non, c'est pas pour faire du scrap. Voilà. Ensuite, je dis à mon mari, il faut aller chercher du chocolat Milka. Et il me dit, je regarde, il n'y en a plus. Tout le rayon des gâteaux et des chocolats n'y était plus. Mon mari me dit, mais arrête, au secours, regarde, ils ont changé, il est à gauche. Erika, sauf qu'il n'y avait pas la tablette de chocolat avec le caramel dedans et tout. J'avais uniquement que la tablette de chocolat XXL, toute simple de chez Milka. Donc, je n'ai pas eu le choix. Ah, je l'ai prise, elle m'a appelée. Sylvie, viens me voir, s'il te plaît, viens me voir. Ouh, tu aimes bien me croquer. Voilà, 2,32 €, je vais le ranger le chocolat. Ensuite, bah oui, j'étais obligée de vous rappeler une fois, j'avais piqué. Je trouvais que ça devait être super bon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un hall action. Et j'avais piqué ça dans le chariot d'une dame que j'avais vu que c'était. Donc du coup, j'ai dit, oh, c'était un gros paquet. Donc du coup, je vous l'avais dit dans le hall. J'ai piqué. Voilà, j'ai piqué et j'ai trouvé ça hyper bon. Donc du coup, j'en ai repris. Et là, c'était des petits paquets. Alors ça les filles, ça fait un déjeuner de soleil, 1,46 €. C'est un petit peu élevé en prix, mais c'est que du bonheur. Ça, aïe aïe aïe, mamia. Oh, j'ai bien fait la dernière fois de le piquer dans le charlot de la dame. Ben ouais.
Ben ouais, à 57 ans, on fait encore des conneries. Ben ouais, ben ouais, ben ouais. Donc ça, allez-y, c'est que du bonheur. C'est comment? Madame, si tu me vois, excuse-moi. Encore une fois, je me suis excusée la dernière fois. Parce qu'apparemment, dans ton chariot, tu aurais pas été chocolat. Bon, tu savais où ils étaient. Donc, tu es retourné en chercher. Voilà. Après, j'ai pris celui-ci. Choco Brownies Pocket. 1,79€. Je ne les ai pas encore goûtés. Alors, j'aime pas les brownies. Pourquoi j'ai pris ça? Je ne sais rien. Je goûterai. J'ai horreur des brownies, donc je sais pas pourquoi j'ai vu ça. Il y avait tellement de trucs Milka que je me suis dit. Puis en plus, il m'appelait, donc j'ai pas pu faire autrement. Ceux-là, c'est une tuerie avec la gaufrette au milieu. Ils sont trop bons. 1,67€. Ceux-là, vous pouvez y aller, c'est du vécu. Hein. Et alors, ceux-là, c'est les derniers des derniers que je vous laisse. 1,75€, il y en a 5 dedans, dans des petits sachets. Et alors, ceux-là. Mais ils fondent directement dans la bouche. Donc, ce qui fait que, comme ils fondent, ils partent plus vite. Donc, ce qui fait que vous êtes obligé d'en reprendre un deuxième derrière. Eh ouais, c'est cela. Allez-y, les filles, vous savez, quand je vous dis que c'est bon, c'est bon. Quand je vous dis que c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bien, c'est pas bien. Comme là, le truc des brownies au chocolat, je pense que je vais vous dire que j'aime pas ça. Et déjà, dorénavant, j'aime pas les brownies. Voilà. Allez, on emmène tout ça à la cuisine. Mais on va se garder sous le coude le petit truc de chocolat. On va le mettre là-haut quand je fais des tutos. Voilà, donc là, on a tout. Ah non, j'ai pris ça. Alors, j'en voyais plein qui passaient sur YouTube, sur TikTok et tout ça. Il paraît que ça sent super bon et que c'est super chouette. Donc du coup, je vais l'essayer, c'est pour les cuisines, nettoyer la cuisine. 1,78€, je vais faire un cheat sheet. Ah ben non, je ne peux pas faire un cheat sheet, ça va mettre du produit. Et celui-ci, il paraît qu'il est super bien aussi. Alors lavandeur, donc j'aime pas trop les choses, lavande et citron, parce que j'aime pas trop les choses qui sentent la lavande. Donc voilà, je vais essayer celui-ci, c'est aussi pour la cuisine. Kitchen cleaner, voilà. Et celui-ci, il est au prix de 1,75€. Donc je vais l'essayer et je vous dirai si c'est bien. Et si ça sent pas trop les toilettes. Voilà. Ensuite, alors maintenant on passe au scrap. Non, ben non, on passe toujours pas au scrap. Voilà. Alors, j'ai repris des petits masques. Quoique, en fait, je préfère faire les masques au naturel. Là, j'ai dans la Beautiful Box, il y avait. C'était sur le Maroc ou la Tunisie, je ne me rappelle plus. Il y avait une espèce de poudre marron à diluer avec des huiles pour mettre sur le visage. Je préfère ça. Mais ça, c'est quand vraiment, vraiment, je suis pressée. Je me mets ça sur la figure, je scrape. Et puis, voilà, je fais le proto du truc de scrap. Voilà. Et puis, en attendant, bah, j'ai ça sur la figure. Et voilà. Donc, j'ai pris celui-ci qui est au Purify and Soothing. Sheet Mask with a Tree Extra. Je ne sais pas ce que c'est qu'il y a dedans. Remove, return, tout ça, something. Voilà, j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci, la base d'avocat. Et j'ai pris celui-ci, il est à base de berry. Le berry, c'est blackberry, c'est les fraises. Strawberry, c'est les framboises. Berry Nice, je crois que. Non, c'est les blueberries, donc c'est le cassis. Voilà. Hop, à ne pas manger, évidemment. Oh là, j'ai fait une salade de fruits. Oh, mon mari m'a engueulé parce que j'ai voulu prendre des fraises. Il m'a dit non, mais arrête, arrête, c'est pas la saison. Tu prends pas les fraises. Bah, bien sûr que si, je vais prendre des fraises. Bah, bien sûr que si, je vais prendre des fraises. J'ai fait fraises, framboises, ananas, banane. Et en fait, j'ai mis. Très peu de sucre dedans et je prends un fruit de la passion et je mets le fruit de la passion en fait. J'extrais tout ce qu'il y a dedans, le jus et tout, et je le mets dedans et en fait je mélange. C'est trop bon. Essayez les filles, vous allez voir, c'est super bon. Voilà. Donc c'est fini, maintenant c'est terminé. Donc j'ai trouvé les dyes à 3,39€ et ou 3,99€. Peu importe, c'est pas grave, on s'en fout. Alors moi j'ai pris ces grands dyes en fait.
comme ça, celui-ci et celui-ci. Pourquoi j'ai pris ces grands dice? Parce que, en fait, je suis à fond, à fond, à fond dans les sacs à main. Pour faire la fermeture des sacs à main, en fait, il faut un grand, grand dice avec des petits trucs-muches tout autour. Et comme ça, on le plie en deux et ça vous fait la fermeture de votre sac. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai pris ces dice. C'est pas du tout pour ça, pas du tout pour le mot fry-on, là. Les papillons, je verrai, oui, à la rigueur. Voilà, c'est pas trop pour ça, c'est pour en fait les grands dice là qu'il y a autour. Voilà, comme ça il y en a plusieurs. Là, les étiquettes et tout ça, marqué Joy et tout, Enjoy, et puis la fleur en bas, quoiqu'elle est très belle, c'est pas trop pour ça, c'est pour en fait le grand dice qui est autour. Et celui-là, il est encore plus joli parce qu'il a des arrondis. Donc tout ça, le reste là, voilà, je m'en servirai pas forcément. Voilà. Donc les nouveaux dice pour moi. Attention, pour moi, c'est nouveau, d'accord? Que j'ai déjà eu des commentaires en me disant non, c'est pas nouveau. Oui, mais tous les actions n'ont pas les mêmes choses et n'ont pas les choses en même temps que les autres. D'accord? Alors, j'avais trouvé les tout petits papillons, les dice, et je m'en sers. Et je voulais absolument les grands dice papillons pour voir ce que ça donnait. Je vais les essayer et je vous dirai. Donc, 3,39 euros. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ces petites planches, pareil pour moi, c'est nouveau. Je ne les avais pas vues passer. Voilà. Donc là, je les ai vues. Alors, il y a, en plus, ils sont très très colorés, très printemps et j'adore. Voilà, ces petites fleurs. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop. Voilà. C'est plein de petites fleurs, c'est plein de petites choses, des petits tags, des petits cœurs que l'on peut servir pour faire des cartes. Et ils sont hyper sympas. Voilà, donc il y a celui-là. Celui-là, il est juste magnifique. Regardez, je vous montre à l'endroit. Alors, je fais comme ça. Hop. Et en fait, il y a du foil. Je ne sais pas si vous voyez l'arrosoir. C'est que du foil. Là, ici, pareil, sur le contour des fleurs, c'est que du foil. Et je trouve ça très joli, la petite brouette et tout. Les petites godasses là en noir avec les fleurs dedans. Alors, je vais faire comment? Comme ça. Voilà. Donc, je trouve ça très sympa. Donc, ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est uniquement, je l'ai pris pour les feuilles. Pour les fleurs, les feuilles. Pour le reste, pas trop. Voilà, le cactus, non, c'est pas mon. C'est pas mon truc, que je me servirai pas du cactus. Hop. Et voilà, donc ça c'est les petits stickers en 3D. Ensuite après, il y a ces planches de papillons pour sur des cartes ou des créas. Moi, je me sers beaucoup. Ils sont en 3D. Voilà. Donc ces petites planches, elles sont au prix de 0,74 et j'ai pris un deuxième papillon, j'ai pas vu que dedans à l'intérieur, et ça s'était un peu déchiré, donc je garderai celui-là pour moi et l'autre je vais le mettre dans le lot pour le concours. Alors j'en ai, mais je sais pas ce que j'en ai fait, je sais pas où je les ai rangés, j'en sais rien. Moi je me sers de ces lettres-là en 3D pour marquer en fait sur mes boîtes. Vous savez que je récupère les boîtes de chez Beautiful Box et dedans je marque, dedans je mets mes mots, dedans je mets mes sentiments, il y en a un autre, je mets les fleurs, un autre, je mets les washi, un autre, mais je mets les fleurs 3D. Voilà. Et du coup, je marque dessus avec ces petites lettres en 3D. Et j'ai pris celles-ci, elles ne sont pas en 3D, mais rouges comme ça, on voit bien ce qu'il y a marqué dessus. Donc celle-ci, elle était à 0,84 et celle-ci était à 0,84 aussi. Ensuite, après, il y avait ces petits cœurs, c'est tout nouveau, je ne les avais pas vus. Voilà, qui sont mignons comme tout, avec plein de petites paillettes holographiques dedans, et au prix de 0,64. Ensuite, alors, j'ai trouvé ça hyper sympa, j'ai trouvé ça génial. Il y a des blocs comme ça. Et toutes les pages, en fait, elles sont en comment?
Ça y est, je ne sais plus comment on dit. Elles sont embossées en 3D, c'est-à-dire qu'elles sont embossées à froid. Regardez. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Ah, si, celle-ci. Elle est jaune. Alors, à chaque fois, je crois qu'il y en a deux. Alors, on a la même en bleu haut. Alors, celui-là, vous allez mieux le voir. Vous voyez, c'est des fleurs. Pour faire des cartes, ceux qui n'ont pas de machine pour faire de l'embossage, je trouve ça super chouette. Là, c'est avec des petites croix. Les croix, on les a en couleur rouge. Donc, je passe. Après, on retombe sur des fleurs en blanc avec des petits carrés. On les a en vert d'eau. Après, en jaune, on a celle-ci qui ressemble à peu près à un dies qu'on avait déjà eu. Elle y est en vert d'eau aussi. Là, c'est uniquement que des petits carrés. Je trouve ça super sympa. Et en fait, alors il y est en rouge, le carré. Et après, on a des petites étoiles comme ça. Et les petites étoiles, elles y sont en vert comme ça. Voilà. Donc j'ai pris celui-là. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas combien il y en a. J'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Et ensuite, il y a celui-ci. J'ai trouvé celui-ci. Ah, mais j'aurais dû prendre. Il y en avait un troisième, un violet. J'étais pas sûre. Mais bon, c'est pas grave. Alors là, c'est imitation bois. Là, ce sont que des feuilles. Là, ce vert-là, il est trop beau. Ensuite, après, là, c'est des petites feuilles de paon. Des petites plumes de paon. Elles y sont en jaune. Là, c'est un peu comme de la plage. Le sable de la plage lié en crème. Celui-là, il est très très joli. Il y est aussi en vert comme j'aime bien. Et après, là, c'est des petits. Voilà, des petits, je sais pas quoi. Il y est en orange. Voilà, donc cela, c'est 1,79. Ensuite, après, j'ai trouvé des blocs magnifiques. Il y en a un. En fait, que j'ai pris pour le lot du concours. Ah ouais, alors je vais vous montrer. J'ai pris ça à 1,89 €. Vous savez, c'est les blocs imitation lin, en fait. Alors là, c'était que des couleurs. Alors, je vous montre. Que des couleurs pétantes. Orange, orange, rouge, rose, bleu, violet. Hop. Et je me suis dit, je vais regarder comment ils coupent en fait, parce que les autres, ça faisait. J'ai changé ma lame et ça faisait toujours arracher en fait. Arracher, ça faisait des petites peluches sur les côtés. Donc j'ai dit, je vais essayer celui-ci. Vu qu'ils ont changé en fait 220 grammes, vu qu'ils ont changé en fait le packaging, peut-être qu'ils ont amélioré en fait le papier. Je vous redirai, c'est pas sûr. Alors, j'ai trouvé les blocs. Ils sont juste magnifiques. Après, il faut que ça plaise. Alors, celui-ci, il s'appelle Beau Jardin Design Pad. Celui-ci, il est très joli. Alors, là, on a avec les petits papillons. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous changer de place. N'ayez pas peur, vous allez avoir mal au cœur, mais c'est pas grave. Ne vomissez pas. Attendez, vous voyez le plafond, voilà. Là, vous voyez ma face de moi. Il faut que je descende ça, que je retire l'appareil photo. Voilà, je vais retirer la caméra et je vais vous mettre ici, comme ça, vous verrez mieux. Oui, vous verrez mieux. Donc, celui-ci, c'est le beau jardin. On se met comme ça. Alors, non, comme ça. Là, ça, on s'en fout. Voilà. Alors, ça, c'est trop beau. Alors, les filles, ça, mais je kiffe. Je kiffe de je kiffe. Hein. Je ne sais pas combien il y en a. J'espère qu'il y en a d'autres. Alors, ça, on peut les couper. C'est sympa. Pour mettre un petit sentiment dessus. Après, on peut faire une carte en coupant tous les petits carrés avec des fleurs. Et on fait une superbe carte. Ça, je ne suis pas trop fan.
Voilà, à part les petits oiseaux qui sont là. Ça, les filles, vous me connaissez, moi, les couleurs qui pètent, j'adore. Mais j'ai l'impression que le papier, il est plus fin qu'avant. Est-ce que le grammage, il est marqué dessus? 250. Ça me paraît bizarre. Là, celui-là est trop beau. Regardez, celui-là, il fait très vintage. J'aime pas trop le vintage, mais là, j'aime bien. Celui-là aussi, on peut le mettre en vintage, hein. Derrière, c'est des notes de musique. Il est trop beau. Avec des oiseaux sur une branche. Oh, les fleurs de pommier, c'est trop joli, ça. Ah, mais alors ça... Oh, faire une superbe création, un sac à main, magnifique. Là, les petits papillons, moi, je m'en servirai, mais je viendrai les détourer. Voilà, tout simplement. Ça, j'aime pas. Ça, franchement, j'aime pas du tout. Voilà, alors du coup, on retourne. Est-ce que c'est le même ou pas? Ah non. Celui-ci, il... non, c'est pas le même. Ah non, c'est pas le même. Je croyais. Ah, bah, ça descend. Oh là là. Ça, c'est pas trop mon kiff. Ça, après, je sais pas, pour un album. Mais le reste, non, je ne kiffe pas trop. Voilà, ça pour un album ou hop, ça pareil, puisqu'il faut se servir en fait de la planche entière. Hein. Ça, j'adore. Hermès, t'es adorable, mais alors là, alors ça, ils sont pas foulés. Hein. La page blanche de chez Blanche. Hein. Ah, Hermès vient de. Je vous le dis ou pas? Oh, je vais être asphyxiée. Je... Non, mais les filles, là, je vais être asphyxiée. Vous voyez, ça commence déjà. Oh, ah, mais Hermès, t'abuses, là. Oh, mon Dieu. Je sais pas ce que t'as mangé, hein, mais t'es... l'intérieur, t'es pourri de l'intérieur. Hein. Wow. Celui-ci, j'adore. Alors, ça, pour l'été, il est juste magnifique. Celui-ci, il est un peu trop de noir pour moi, mais bon, ça passe. Celui-ci, alors je kiffe. Hein. Celui-ci, ça va à peu près. Ça, j'adore. Et ben, il n'y en a pas un autre. Si, il y en a un là. Oh, ben là, n'en parlons pas. C'est bleu de chez bleu. Je ne savais pas quoi mettre à la fin. Allez hop, je t'ai mis un bleu. Basta. Alors, Lovely Flower, celui-ci. Il y en avait d'autres, mais je ne les ai pas pris parce que je n'aimais pas. Voilà. Ah, t'es abusé, toi. Hein. Oh là, mais j'adore. J'ai pas regardé devant, j'ai regardé que la couverture. Oh, je kiffe. J'aurais dû en prendre deux. Oh mon Dieu. Tout ça, ça, j'adore. Oh, regardez là. Ah, tout ce qui est un peu. Bizarre, ça j'adore aussi. Il n'y en a pas deux là? Non. Ça j'adore, malgré que ce soit très pastel. Alors ça, je kiffe de chez Kiff. Ça j'adore aussi. Bah ouais, moi tout ce qui pète, hein, vous savez que. Happy birthday, ça c'est pas mal pour une carte. Et on met une envolée de papillons, et puis en 3D, et puis on met des petites fleurs, c'est joli. Ça, c'est beau, hein? Mais ouais, c'est trop beau. Ça aussi, moi, j'adore. Ça, non, parce qu'ils ne sont pas foulés, hein. Ils ont mis des taches blanches. Ça, j'aime trop. J'aime trop. Ça fait un nez, vous savez... les années Peace and Love, là, où il y avait du papier peint qui était très pétant. Il y avait des comment ça s'appelle, des canapés aussi. Où, moi, j'adore. J'aime beaucoup. Ça, j'aime pas du tout. Après ça, qu'est-ce qu'on en fait? Si on le met derrière une carte, pour que les gens puissent écrire. Ouais, voilà, derrière une carte. Ça, j'aime pas. Ça, j'adore.
J'espère qu'il en met derrière un truc que j'aime pas. Ah oh bah non. Oh bah ça c'est moche, hein. Alors ça c'est moche, c'est moche, hein. J'ai le droit de le dire, hein. Je fais ce que je veux après tout, hein. Ça va à peu près. Ouais. Faire une carte un petit peu. Ouais, je vous dis années. Vous savez, les années 60s, là. Les années où j'étais petite, encore toute petite, et que je voulais grandir très vite. Waouh, il est trop beau celui-là. Oh, celui-là aussi, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'espère qu'il est derrière un papier que j'aime pas. Ah non, pas derrière les pâquerettes, hein. Oh merde, oui. Bon, bah, tant pis, on fera un recto verso. Oh, celui-là, pas trop. Oh, bah justement, ça va. Il est derrière un papier que j'aime bien. Donc voilà, celui-ci, c'est fait. Ouais, mais j'en ai pris plusieurs, les filles, hein. Happy Days. Allez, on continue. On continue. Happy Days. Oh, Happy Days. Alors, ça, c'est horrible. Avec les léopards, là, c'est horrible. Ça, c'est horrible aussi. J'aime pas du tout. Ça, je n'aime pas du tout, du tout. Je garderai le petit sticker Happy Birthday, là. Mais le reste, je ne le garderai pas. Là. Alors, ça, j'aime pas du tout. D'abord, ça représente quoi? Ah, des perroquets. Ah, non, mais j'aime pas. Non, non. Non plus. Ça, oui, j'aime bien. Ça, je déteste. Ça, à peu près. Ça va. Ça va. Bon, ça, c'est pour écrire derrière. Ça, c'est moche. Ça, c'est très moche. Pourquoi je l'ai pris d'ailleurs? Là, il y a toujours les mêmes mots. Hein. La vie est belle. Moi, je récupère uniquement celui-ci. Parce que les autres, c'est de l'anglais. Ça, c'est très moche. Très, très moche. Waouh. Oh, pourquoi t'as pris ça, celui-ci? Ça, c'est marrant. Avec les petites bouches. Ça peut aller. Il est derrière un papier que j'aime pas. Ok, c'est tout bon. Ça va. Derrière un truc que j'aime pas, ça va. Ça non. Ça, déjà, ça représente que des feuilles. Oh, bah alors, ni l'un ni l'autre. Hein, voilà. Celui-là, j'aime pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Bah, il est derrière un truc que j'aime pas. Donc, quand je ferai ma scrap, je vous ai dit, j'enverrai. J'ai déjà eu deux adresses pour, oh, bah, zut, économique, pour envoyer tous les papiers que je vais trier en fait. Et que je vais me débarrasser parce que dans certains blocs, vous avez des papiers que vous aimez, d'autres papiers que vous n'aimez pas. D'accord? Et les papiers que vous n'aimez pas, bah, au lieu qu'ils restent enfermés là à la maison, j'avais dit que voilà, ceux qui ont besoin, qui n'ont pas beaucoup de moyens ni quoi que ce soit, eh bien, je les enverrai. Alors, ceux qui m'ont envoyé les adresses, patientez encore un peu, la scrap room commence mercredi. D'accord? Ça va. Ça va, ça. Alors celui-là, je ne l'ai pas pris pour moi. Je l'ai pris pour mettre dans la. Comment? Pour mettre dans le lot du concours. Si, ça va, ça. Oh, ben ça, c'est pas beau du tout. J'aime pas. Ça va à peu près. Ça va à peu près aussi. Alors, ça, c'est très moche. Ça, voilà. Faut aimer le vintage ou le je sais pas quoi. On dirait la tapisserie qu'il y a dans les châteaux, vous savez, la tapisserie en tissu. Ça, j'aime pas. Alors, j'aime pas là sur le papier, d'accord? Sauf que dans ma scrap room, il va y avoir un rond, en fait, qui va être comme ça, sur le sol. Bon, bah là, ils sont pas foulés, hein. Maintenant, on revient au papier qu'il y a dans les châteaux. Ça va à peu près, c'est pastel. Voilà, on a encore les petites lettres. Ça va. Ça va. Ça va pas. Ça, je ne trouve pas ça très moche. On dirait le carrelage des cuisines. Bien, oui, des cuisines qu'il y a dans les châteaux. Ça va à peu près. Là, la vie est belle. Ça, c'est pas mal. C'est écrit en français. C'est très bien. Non, j'aime pas. Ça passe, mais c'est pas ma couleur favorite. Oh là, ça c'est moche, hein.
Bah voilà, on retrouve encore là le papier dans les châteaux. Ça, c'est très moche. Et voilà. Donc celui-ci, il va dans le lot concours. Hop, avec la petite planche de papillon. Que je ne fasse pas de bêtises. Et le lot concours est clôturé. Il n'y aura qu'un lot, hein, je fais qu'un lot pour ce concours. Donc celui-ci, c'est Over the Rainbow. Je ne sais pas s'ils disent combien il y en a à chaque fois. Je sais pas. Non, pas du tout. Ah, j'aime bien ça. Alors, est-ce qu'on a un truc en français là? Hello, ça peut être français. Non. Miracle. Tiens, oui, si. On a un mot français. Ça, ça va. Ça, j'aime beaucoup. Mais ça, j'aime pas du tout, hein. Demandez-moi si vous voulez pour créer un papier, je peux le faire. Hein. Action, si vous m'entendez. Je peux vous dessiner des papiers avec ça. Je peux vous dessiner des papiers. Hein. Ça, je peux le faire. Voilà, et là on a encore La vie est belle. Oui, on a encore La vie est belle. Ça aussi, je peux le faire, action, moi. N'allez pas payer un grand dessinateur hein, et designer. Hein. Moi, je peux le faire. Hein. Quand j'étais petite, on faisait des frises. Hein. Et ouais, sur les cahiers. Je peux le faire. Hein. Ça aussi, je peux le faire, monsieur Action. Ça aussi, monsieur Action. Hein. Vous me donnez un petit tampon avec des cœurs et je vous le fais. Hein. Ouh là là, Over the Rainbow, pas foulé trop. Hein. Ça, j'aime bien. Bon, voilà, on a les petites étiquettes. Ça, j'aime bien. Ça, les petites croix, monsieur Action, je peux les faire aussi. Hein. Oh, bah, ça aussi, monsieur Action, je peux les faire. Ah, oh, bah, j'aurais pu vous dessiner, moi, le truc, là. J'aurais pu vous le faire, hein. Mais ouais. Mais ouais, non, mais ça, c'est pas... Voilà, quoi, c'est pas très, très beau, hein. Dis donc, monsieur Action, là. Il n'y a rien d'écrit en français. Psst. I like you. Oh là, bah là, là, ça, là, là, monsieur Action, vous avez fait fort. Hein. Oh, celui qui a inventé ça. Oh là 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 là, le graphiste. Oh, comment qu'il a. Il a bien fait beaucoup d'études pour faire ça. Oh là là. Ça, pas trop. Là, oui, bah oui, bah oui. Je ne sais pas combien vous avez payé ce monsieur pour faire les papiers, mais. Appelez-moi et moi je le fais, hein. Oh oh. Et ouais, je vous remonte. Attendez, ça va faire crac, crac. Ah ouais, monsieur Action, pourquoi vous n'avez pas appelé moi pour le faire? Moi, je vous l'aurais fait pas cher. Pas cher pour créer ce bloc-là. Non, Sylvie, arrête de dire n'importe quoi. Tu vas encore te payer des gens qui vont être... contre toi, mais je m'en fous. Mettez tout ce que vous voulez, je m'en fous, je m'en fous. Harcelez-moi, faites-moi des, je m'en tape. Voilà. Ça, c'est à bon entendeur. Salut. Donc voilà, voilà. Donc Olaxio qui était quand même pas mal, voilà. Moi, je pensais plus du tout. J'ai sorti ma carte. Dans mon téléphone, du coup, j'étais pas connectée, il a fallu que je rentre le mail, le mot de passe et tout. Donc, du coup, les gens qui étaient derrière, bah, ils étaient pas très heureux. Bah, je m'en fous. Voilà. Donc, du coup, je vais vous poster cette vidéo le jour de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, mon mari va travailler, je devais y aller, mais du coup, comme ce week-end, hein, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, que j'ai pris beaucoup de morphine, et oui, j'ai refait. Et bah, du coup, je vais pas travailler à la Saint-Valentin, donc je vais faire Saint-Valentin chez moi, je vais me faire une petite coupe et je vais m'aimer moi, voilà. Donc Sylvie, bonne Saint-Valentin, hein, tu te t'aimes? Oui, je m'aime. Oh, alors si tu t'aimes, bon, Sylvie, arrête de dire n'importe quoi, je sais que les filles elles adorent parce qu'elles vont rigoler, ça leur fait plaisir et tout, mais bonne Saint-Valentin à toutes les filles.
Et je dis aussi tous les garçons, mais normalement les garçons, c'est à vous d'aller offrir un petit truc. Après, moi, je ne suis pas très pour, je trouve ça commercial, parce que quand on aime, c'est toute l'année qu'on offre des cadeaux. Pas que le jour de la Saint-Valentin. Moi, je me dis, tiens, on est le 14 février, si j'emmenais ma femme au restaurant, si je lui faisais un petit cadeau, ça serait pas mal, juste ce jour-là. J'ai horreur de ça. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Surtout, scrapez bien et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous, ciao, ciao.